Bien, salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 28 et on se retrouve d'ailleurs parce qu'il y a un Shiny en Chile que je cherchais du coup dans l'épisode précédent. Il est 50, ça va être compliqué à l'avoir. On va essayer. On va essayer parce que j'ai pas beaucoup de balles. Il me balance un lance-flamme alors qu'il est de type glace. Il me balance un rayon de dragon. Ok, d'accord. Ok. Ça va être d'un compliqué, hein. Je vous rappelle. Je suis que 40. On va se poser. Oui, je suis quasiment mort. Il m'a quasiment touché. Ça va être compliqué, hein. Ouais. Ah, il se dirige sur moi, il veut ma peau. On esquive. Ok. D'accord. On essaie de capturer celui-là en même temps. Ok. Est-ce que je vais réussir à l'avoir celui-là? Ah, je suis en train de mourir. Non, c'est bon, je suis pas mort. Allez, toi, meurs. On va se nourrir rapidement. Il veut tirer sur moi, non? Si, il veut. C'est moi qui veux là. C'est moi qui veux. On va essayer d'esquiver tout ça. C'est compliqué parce que niveau 50, il va me cracher dessus. Ok. Là, je suis à 0,1% là. Oui, aïe aïe. On va le laisser faire. Anubis, vas-y. Ça va être compliqué, hein. On va pas se mentir. Là, il m'a pas touché, c'est cool. Faut que je fasse attention que qu'on le tue pas non plus. Pour 4%, mais je vais jamais réussir en fait. Essayer de lui retirer un maximum de points de vie. Enfin 0,4%, je voulais dire. Mais non, je peux pas le capturer en fait. J'ai pas de. À essayer avec ça, mais. Non, c'est pas possible. En fait, comment on peut le capturer? La vache. Cra, dommage. En fait, là, je suis trop faible, ils veulent pas. Rah, saloperie! Il faut les plus grosses balles. Ah, dommage. En fait, là, niveau 50, je peux pas les capturer. Enfin, pas avec des rouges ni rien. Ah, dommage. Bon, bah. Je capture les chilets que je veux récupérer. Et puis, Puis on se retrouvera pour le suite de vidéo. Ok, j'ai trouvé un autre pal shiny, un crémier. Donc autant que je vous le montre, là on va le balancer en revers avec une jaune. Même si c'est un niveau 3, vous avez vu, il demande. Il est quand même à 64%, donc il a une. Une résistance à la capture assez affolante, hein. Mais c'est good, on l'a obtenu. Ça c'est cool. Et on l'a obtenu avec des traits féroces et chanceux, ce qui est normal. Ok, très bien. Ok, donc on se retrouve un peu plus tard.
tard. Il y a eu également des mises à jour qui ont été faites. Mince. Des mises à jour qui ont été faites sur le jeu où ça règle quelques. Enfin, ça règle des bugs, etc. Il y a aussi des petits réglages. Surtout au niveau des pales pour pas qu'ils se bloquent un peu trop souvent dans les murs, les pales volants qui se bloquent dans les plafonds. Il y a eu pas mal de choses là-dessus. Également, il y en a eu sur Anubis pour qu'il aille en priorité faire de la manutention au lieu du minage, apparemment. Donc, si on voit si je lui dis tiens, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça non plus que je voulais faire. Hop, voilà, là il va faire du minage en priorité. Et si je lui, si je mets ça, j'en ai qu'un seul qui, ah oui, non, c'est la production. Il est revenu tout de suite. Donc ça c'est cool, ça dans les bases tout ça, on peut laisser ça avec des Anubis. Parce que c'était un des problèmes, il fallait leur retirer ça dès le moment où on mettait Anubis dans la baraque pour pas qu'il aille tout le temps miner en fait, sinon il passe son temps à les miner. Ce qu'on va faire, c'est que, alors ça je vais le laisser pour l'instant. On va également, en parlant d'Anubis, on va aller faire éclore les œufs. J'en ai fait plusieurs. D'ailleurs, ils sont plus là. Mais ouais, j'en ai fait plusieurs et normalement il y en a deux. Alors, on a deux autres, je crois. Je sais plus si c'était vraiment des Anubis. Je crois que c'était, il y en avait deux que j'avais récupéré à quelque part. Donc il y en a deux qui vont être des Anubis. Voilà, que j'ai fait moi-même avec le même croisement que j'ai, qui marche pour le faire. Hop. Un deuxième là, après celui-là, pas sûr que ça en soit un. Voilà, c'est un Warsec. Et celui-là fait pareil, c'est pas sûr du tout que c'en ait un. Si c'était bon, c'en est un. Ok. Donc j'ai déjà des Anubis en plus, ce qui est très bien. Car comme ça, on va en mettre dans la baraque. On va même voir un peu comment ils sont. Parce que le mien est grossier soumis. C'est un sérieux stratège tout ça. Là, je schisme et sérieux ici. Ok. Et on peut peut-être faire des croisements avec le mien et tout. On peut peut-être pouvoir faire ça. Mais pour l'instant, on va le mettre. On va les mettre les deux ici. Ils vont travailler. Très bien. On va essayer également en mettre un dans le camp de minage qu'on a fait. Hop. On va mettre à la place, je ne sais pas. Tac. Voilà. Est-ce qu'il va les miner ou pas? Faudra que je coupe les arbres et que je mette des fondations également pour. Comment dire, pour empêcher que ça repousse. Que du coup j'en ai qui vont couper du bois. Et ça me sert à rien. Allez, la construction. Tac, tac. Bon, ça je le ferai par la suite. Je le ferai en off par la suite. Très bien. Après, ici, est-ce qu'ils ont encore à manger? Bon, ils ont largement ce qu'il faut, très bien. Et nous, on a un peu de matos. Pas grand-chose parce que j'ai pas trop laissé en off. Moi, je le laisse en off. Mais ouais. Ok. J'ai également, comme vous avez pu le voir, crafté un bazooka. Ça peut nous aider. On va tester un peu. Et ici j'ai crafté un frigo. Pareil, on va attendre qui on va mettre ça là-dedans pour faire plus de gâteaux. Au niveau de l'XP, je suis 42. Donc il y a
Ah oui, il y a le fusil à pompe, le vrai maintenant. Voyons voir. Donc celui-là, je l'ai débloqué. Et voyons voir le craft. Il faut du polymère. Pour faire du polymère, on avait des clous ici. Hop. Il va falloir que je fasse plus de polymère. Non, c'est... Hein? C'est pas là-dessus? Non, c'est... Ben, c'est là. Si, normalement, c'est ici. Ah oui, là, il est là, je le voyais pas du tout. Il faut de l'huile de palme de qualité. Et pour ça, on va aller l'acheter, je pense. On va aller acheter ça. Enfin, peut-être que je capture des marchands. Ouais, je vois si on peut le faire facilement ou pas. Est-ce qu'on peut les capturer les marchands et donc après comment dire les utiliser dans notre base. Ah oui d'ailleurs ils ont aussi augmenté la chaleur et tout ça, ils ont réglé les trucs là-dessus. Donc maintenant bah elle me suffit pas là le fait d'avoir. Ah oui ça suffit pas du tout. Ça suffit plus. Ok. On va repartir. Donc ça, oui, ils ont fait un grand changement là-dessus. Ils ont également fait un changement. Alors, sur les îles sauvages. Maintenant, dès le moment où on va dessus, je crois, même si on est sur une monture, ça compte. Donc, à voir si sur une monture volante, c'est pareil. Mais je crois que oui, du coup. Bon, par contre, on va prendre celle-là. Pourquoi c'est pas mis? Hop. Ok. Bon, par contre, je comprends pas pourquoi on le voit. Il y avait ce cran rouge là qui était noir, donc j'avais pas de chaleur. Par contre, j'avais celui du dessus et celui d'en dessous, ce qui est un peu non logique. Mais bon, il y a peut-être des petites améliorations encore à faire à ce niveau-là. Mais on verra ça plus tard. Viens par là, s'il te plaît. Hop. Pour ça qu'un coup, il faudra que j'essaie de les capturer. À mon avis, je vais me faire agresser par les. Par les. Mince. Les forces de l'ordre. Alors. On peut peut-être essayer, hein, au pire des cas. Hein. Acheter, acheter. Tiens, ce serait toi. J'ai quand même. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais quand même acheter avant. Hop. On achète tout ça, c'est très bien. Et ah, il a pas aimé. Je peux pas? Ah, je me fais attaquer. Allez, bah il l'a tué. Ah, c'est toi qui l'as tué, hein. C'est pas moi. Hein. Aïe! Est-ce que ça passe là? Ah bah vous le tuez aussi! C'est pas moi! Bon. C'est pas passé. On va s'enfuir. Du coup, ils vont attaquer ma base. Ils vont parler dans ma base. On va laisser se faire. Ah ouais, d'accord, ils sont apparus, mais au-dessus. Allez, battez-vous. Normalement, il y a également l'ordre attaquer tout à vue. Qui devrait rentrer. Qui devrait marcher un peu plus facilement.
Ah, par contre, là, ça fait des dégâts sur les structures, là, c'est pas cool. Bah, on va ouvrir, hein. Ça, ils éclatent tout. Quand même 43, hein, l'autre, hein. 43, lui. Ils vont détruire toute ma base. Cassez pas tout. C'est bon, il est mort. Hein. Ah, puis il y en a encore en bas là. Mais il est en bas où? Elle est tombée de la base. Bon. Bon. Pour l'instant, on va le laisser là. Ah, ils sont partis. Ok. Mais pour le coup, ça a fait pas mal de dégâts, j'ai l'impression. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Je peux pas tout réparer. Il manque du métal et tout ça. Hype. Rip. On va. Hop. Je me trompe de bouton. On va crafter des kits de réparation. Il manque du. Ah, il manque du textile, d'accord. J'allais dire, il manque du bois. Non, pas du tout. Et on va également. Bon, je vais tout réparer. Je vais un peu à. Faire des balls et puis on va aller à. On va aller, comment dire, capturer, faire un peu le tour et tout ça. Ok, donc oui, on avait dit qu'on allait faire le fusil à pompe. Donc j'ai fait assez de polymère. On va également. Alors, du coup, ils sont pas venus faire en priorité. Je pense que c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont pris la place. Il y a également autre chose qu'ils ont mis en place avec les mises à jour. J'ai oublié d'en parler, mais je crois qu'il y a un nouveau, une nouvelle option là-dedans. Voilà, en mode détente. C'est-à-dire que du coup la vitesse de travail est basse et tout ça. En gros, c'est pour les mettre en mode reposez-vous. Quand le moral est au plus bas, on peut leur dire du coup de... de diminuer la cadence. Donc ça c'est cool. On peut osciller dès qu'on a trop plein de choses à faire. Paf, on leur dit aller au travail. Dans l'autre cas, et ben on leur dit de ralentir la cadence. C'est cool. Ok. Alors apparemment ils ont tout réparé. Enfin pas tout réparé, mais fabriqué le fusil à pompe. Ok. Qui fait 220 par rapport à ça. Ok. On va le prendre. Donc déjà, c'est déjà, il est déjà un peu plus sympa, celui-là. Hein. Hop. J'ai également crafté le lance-sphère hein, aussi. Le lance-sphère, on va pouvoir tester. On va prendre notre pète, volant, et on va aller explorer. Alors ça, peut-être pas tout de suite. On va l'explorer. Alors peut-être pas ça non plus parce qu'on peut pas le. Pas pouvoir l'exploiter, on va pas pouvoir le y aller. Il faut la tenue chauffante. Ça, du coup, ça va être plus compliqué. Il faudra que je la crafte. Mais je suis déjà réfrigérante là et la chauffante, je le craft. Bah si, on peut se le faire. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas encore très haut level. On va se la crafter quand même et on va s'approcher de là-bas. Allez, on va faire ça. Hop, j'ai également débloqué les armes des calcos, c'est juste pour faire de la déco je crois, enfin faire des dessins, bref, pas spécialement très utile j'ai l'impression, je vais pas encore tester, on verra bien. Allez, crafte-moi l'armure chauffante, comme ça on ira voir directement, j'ai ultra sphère, j'en ai 23, donc on devrait pouvoir capturer quelques trucs. Hop, voilà, et on va pouvoir y aller.
Qu'est-ce qu'il est en vrai? Elle est stylée. Ok, allez, viens. Et on y va. Et c'est par là-bas. On va pouvoir y aller tranquillement. Passant par là. On va avoir un peu le pourcentage de chances de capture qu'on a. Qu'on a maintenant. Est-ce que ce sera assez ou pas? Après, il y a encore d'autres balls. Alors, je vais du coup plus avoir assez de stamina. Hop. Et c'est parti. Alors, faudrait. Je sais pas encore s'il y a plus rapide que ça. Il me semble que oui, hein, il y a une sorte de dragon, je crois. Mais ça, on verra par la suite. J'ai déjà vu la tête d'un dragon comme ça qui allait assez vite, mais je ne sais pas du tout comment l'obtenir, donc ça, je me garde la surprise. Les mots. Ouais, c'est déjà 13%, là, niveau 34. Elle m'en reste niveau 40. 1, ok. Sans l'attaquer. Ouh. Ouh, ça tape bien. 15%. C'est pas ouf, hein. 15% là, avec si peu de vie. Mais ça passe. Ok. On peut se faire de. Se gagner de l'expérience en se récupérant les. Des mamorestes comme ça. Là, les pingouins niveau 31, on n'en a pas besoin. J'ai un pal dans l'équipe qui a faim. Qui a déjà faim. Ils vont trop vite à avoir faim. C'est un peu embêtant par moment. Hein. Ok, on va se diriger vers la neige. Hein. Argenté, je sais pas du tout quel niveau ils vont avoir. À mon avis, ils vont se rapprocher de 50. Hein. Il y a des chances, il y a des chances. Hein. Au pire des cas, on pourra retourner au volcan. J'ai pas encore exploré la totalité du volcan. Alors, du coup, là, tenue chauffante nous permet de vraiment pas avoir froid. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas un seul pal encore pour l'instant? Bon. Ah, si, voilà. Donc, un mamorès de cristal. 42. Quasiment le même niveau que l'autre. Ok. Alors on va tester le. Mince. Le canon. 6%. Ah, quand on vise directement, ça, on voit le pourcentage. Cool. Bah, très bien. Très bien. En fait, quand on vise, on voit le pourcentage. Donc, ça, c'est cool. Je pensais que non. Un gros œuf. Continuons. Bon, en tout cas, ça nous permet. On a pu le capturer facilement. Même si on était qu'à 5%, c'est quand même mieux que rien. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Puis après, prendre le fusil à pompe. C'est vrai que je peux taper plein de fois. 8%. Ah, il est mort! Non, sérieusement, la frame près, quoi. J'ai utilisé ma palpe, ma balle pour rien. Bon. Rip. Allons par là, là-bas. C'est un gros œuf ou un immense? En tout cas, c'est bien. Il y a pas mal de balles dans le chargeur, en fait. Alors, les coffres qui sont un peu posés n'importe où, qui nous donnent des terrasses fer.
Donc on peut venir là en récupérer puis retourner dans les zones inférieures. C'est ce que je vais faire. Je ferai une. Je pense que dans les prochaines vidéos, on ira de nuit chercher les statues et en même temps capturer un peu tous les pales que j'ai pas 10 sur 10. Pourra être intéressant. On va partir un peu plus par là-bas. Vers le haut du pic. Il n'y a pas grand-chose, hein. À part des mots et des mamorèses de cristal, j'ai rien trouvé. Après, les mots, ça peut être aussi intéressant de les mettre dans le dans une ferme parce que ça rapporte des golds. Après, est-ce que rapporter des golds ou aller ou faire des matériaux pour les vendre, quel est le plus rentable? Ah! Celui-là, j'en ai déjà un. Qui a 12%. 12% aussi. Je voulais voir si ça augmentait le pourcentage. Mais non! Pas évident de voir là. Ah, dedans. Ok, très bien. Très bien, très bien. J'en avais déjà capturé un, mais. Ou obtenu un avec les œufs, je ne sais pas. Qui est, c'est très pentu. On a une petite statue là. Donc on la récupère en même temps. Hop. Voilà. On continue à grimper. Alors c'est dommage qu'il n'y a pas grand-chose. Et on récupère pas mal de dames, de grandes âmes. Hein, donc si vous. Mince. Vous n'avez pas récupéré la stamina. Si vous voulez récupérer les grandes âmes, c'est pas ici. On les trouve. On a les coffres. Donc les coffres ils spawnent. Donc bah, vous les récupérez. Tout simplement. On va monter à côté de la tour. Je pense que c'est la dernière celle-là. Le boss il doit être 50 ou peut-être plus. Hein. Je sais pas si nous c'est ce niveau 50, mais peut-être que les boss comme ça ont un plus gros niveau. À mon avis, c'est le dernier. Même si, du coup, les monstres sont pas toujours haut level. Je pensais avoir des monstres 50, mais pas du tout en fait. Il y a un TP qui est par là. Il est là. Ok. Bon, bah, c'est très bien comme TP, il est quasiment tout en haut. Ce qui va nous permettre de venir et d'aller voler, d'explorer plus facilement. J'ai eu un énorme œuf de glace. Enfin d'eau plutôt. Pareil, très bien. Là, on voit qu'il y a pas mal de coffres et tout. Hein, donc en vrai, on peut venir dessus et puis récupérer un peu tout ce qui traîne. Bon, la moresse, je vais l'ignorer là. Je viendrai en capturer en off. Ce qui m'intéressait, ça aurait été de trouver d'autres choses. Là, il y a une structure, il y a des méchants. Ok, on descend, il y a un squelette là-bas. Bon, il n'y a pas grand-chose hein, en vrai. Hein. Ah si! Ouh, ça je l'ai jamais vu celui-là. Oh, il est stylé. 0,39. Ok. Allez. Allez. Yes! Un griolynx, ah, très bien. Bah voilà, un nouveau. Oh! Cela c'est quoi? C'est les reptirocristal. Ils sont nombreux, ils sont 30 par contre. Ils sont nombreux, donc on va devoir faire attention.
40%, c'est bien ça. Aïe aïe. Il est un peu plus. Allez, rentre dedans là. Rentre dedans. Hop. Très bien. 87%. Il aurait passé. Allez. Et ça passe, cool. Alors par contre, mon Suzaku, il a pris cher. Il y avait une petite statue ici, donc on la prend. Il a pris cher. Après, c'est du coup, ils étaient nombreux, ceux-là. Ils étaient nombreux. Les viandes de Mamoresse, ça donne quand même beaucoup, hein. Vache. Peut-être que j'aille en capturer plein. On a une grotte ici. Qui est donc le King Paka Crystal. Ça a l'air d'être ça. Si on suit la logique. Très bien. Et puis voilà. Bon. On va aller. On aura chopé des bons trucs quand même. On va aller prendre le téléporteur. Et on viendra continuer l'exploration la prochaine fois. Dans le prochain épisode. Hop. Il est où? Je suis... Mais en fait, il était juste là-bas. Ok. Bon. C'est rien, c'est rien. Voilà. Mon sens de l'orientation, c'est pas top top. Bah tiens, Wumpo, ça j'en ai pas ça des Wumpo. Que je me sois trompé là. Alors pour le fusil à pompe faut être de près hein. Si on veut avoir quelques chances. Ah, ils sont 42. Donc on voit que le pourcentage est à 10 direct diminué. Contrairement aux autres où on était à. On était proche du 80% par moment. On peut tirer plus vite hein. Ok, là je suis cool. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, avec le fusil à pompe qui fait des dégâts, des bons dégâts aux proches et des petits et plus petits dégâts de loin, on peut varier l'intensité des dégâts. Ok. Comme ça, on peut faire moins de dégâts pour essayer de capturer. Ça c'est cool et c'est bon à savoir. Et j'ai encore perdu mon téléporteur. Et il est en dessous de moi. Ok. Très bien. Et ben, on va rentrer à la base, regarder ce que vaut les ceux que j'ai capturés. Et on se quittera là. Hop. Déjà exploré une grande partie de la zone. Hop. On retourne à la base. Et voyons voir dans le. Dans le Palpedia. Où sont-ils? On a le Griolinx qui est super stylé. Qui est 3 en réfrigération, 2 en abattage et 1 en travaux manuels. En combattant à ses côtés, de nombreux objets, le nombre d'objets augmente sur les pales de type dragon vaincu. Pourquoi pas? Ensuite, on a un Reptiro Crystal. Oui, ok, donc c'est la même chose que ça. Très bien. Qui fait extraction 3 et réfrigérant 3. Donc à l'inverse de celui-là, lui il est en allumage, lui il est en réfrigération. Et lui les Wumpo, ils font du travaux manuel niveau 2, de l'abattage niveau 3, du transport niveau 4. Ah, c'est sympa. Et réfrigération niveau 2. Très bien. Sympa pour le transport. Pourquoi pas, il peut être utilisé comme monteur pour se déplacer, apporte les affaires du genre, donc il booste le transport, le poids qu'on peut porter. Ok. Et ben très bien. Bon bah sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et un pouce bleu pour soutenir. Et voilà.
Ciao, ciao!